Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc on est mardi, je vous ai pas pris hier parce que j'ai rien foutu de la journée. C'était le premier jour de congé de chérie aussi, donc je l'ai laissé un petit peu tranquille. Là, je vous ai pris pour me coiffer avec ma tête de déterré. Ça fait deux jours que j'ai mes tresses, ça fait deux nuits que je dors avec. Donc là, ils vont être bien ondulés. Hier, j'ai rien fait à part jouer aux Sims toute la journée. Voilà. Hier, j'avais pas le moral. Enfin, ça fait quelques jours que j'ai pas un très grand moral. Et j'attends que ça passe. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous tourner la vidéo de vendredi. Donc, que vous avez eu vendredi, je vous la remets dans le petit i. Je m'arrache les cheveux. Donc je me prépare juste la tête avec vous. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le voir. C'est pratique quand j'ai les tresses parce qu'au moins mes cheveux m'emmerdent un peu moins. Donc voilà. Mais c'est bien ça. Oh, ils sentent bon. Oh, le produit curl là, le spray là, qu'est-ce qu'ils sentent bon. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais mettre un peu d'huile pour mes cheveux. Donc là c'est de l'huile d'argan, c'est un Nair Serum Care and Oil Argant Oil. C'est la marque Egron, je crois, je ne sais plus, j'avais trouvé ça chez Action, c'est la deuxième ou troisième fois que j'utilise. Comme j'ai l'autre, il est en bas, donc je vais utiliser celui-là maintenant. Donc je mets une petite pompe et je vais décoiffer mes boucles et essayer de plaquer un peu mes frisottis avec cette huile-là. Comme ça, ils sont bien brillant, bien yoli yoli. Voilà. Oh, elles sont bonnes aussi. Donc, moi, je vais faire la vidéo, puis je vous reprends de toute façon après. Je pense que cette semaine, on va être beaucoup dans le bureau ensemble, puisque monsieur est en congé, donc il squatte le canapé, on va dire 20h sur 24, puisqu'il dort dans le canapé. Hein. Oui, voilà, chérie, quand il est en congé ou le week-end, dort dans le canapé, il ne dort pas dans le lit. Parce qu'en fait, il est totalement déréglé par rapport à moi. C'est pas qu'on fait chambre à part. Mais en fait, comme il est déréglé, il passe sa nuit en bas, une bonne partie de sa nuit, et il s'endort vers 4h du matin. Donc pour pas me réveiller, vu que moi je me dois me lever à 6h pour l'école pour Georges, il dort dans le canapé, du coup. Et voilà. Eh ben, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Donc, si vous voulez, je vous mets le lien au cas où du challenge, parce que là, je viens de recommencer un challenge sur les Sims. C'est le 4 sœurs immortelles. Donc, j'ai appris à Amy qu'il y avait des challenges à faire sur les Sims. Moi, je fais tout le temps des challenges. Je les finis rarement, je vous l'avoue. Mais je fais tout le temps des challenges. Sinon, c'est très vite pompant. Hein, c'est souvent la même chose, sauf quand il y a un nouveau kit. Il y a aujourd'hui le. Donc on est mardi, je ne sais plus, je vous l'ai affiché, et il est 9h27. Voilà, je ne vous ai pas dit l'heure. Il y a aujourd'hui le trailer du nouveau pack. Je crois que c'est un pack de jeux qui sort la prochaine fois, je ne sais pas quand. Très certainement le mois prochain. Donc voilà, je vous mets le lien des règles de ce challenge-là en barre d'infos. Et si vous voulez que la semaine prochaine, je vous montre un peu ma famille Sims et tout ça dans le vlog, ben, dites-moi ça en commentaire, je vous montrerai. Donc moi, je fais ma vidéo et je vous reprends juste après, mais c'est tout de suite pour vous. Voilà, voilà, j'ai terminé ma vidéo. Maintenant, il va falloir que j'aille faire le montage. Donc je vais remettre mes KO. Oh là là, qui sont toujours dégueulasse. Je sais pas comment je fais mon compte. Oh, mon frère verrait ça, il me pèterait encore une durite. Mais moi, je les ai H24 sur le nez. Enfin, sauf quand je dors, mais sinon, je les ai tout le temps sur le nez. Donc forcément, ça s'allait plus vite que quand on met juste des lunettes pour se mettre devant le PC. Quoique, si je les mettais que pour ça, je les aurais quand même très souvent sur le nez. Hein. Bref. D'ailleurs, les prochaines que je vais faire, je demande le filtre lumière bleue. Dites-moi si vous avez sur vos lunettes de vue le filtre anti-lumière bleue là au quotidien et si ça vous dérange ou pas dans le quotidien, quoi. Parce que j'ai un peu peur que ça déforme un peu les couleurs. Bref. Sinon, je voulais vous parler
vous montrer deux petites choses. Donc, j'ai terminé mon sérum W7, là, le jaune, qui était dans le Big Project Pan de l'année. Et du coup, je vais sortir celui-ci pour le remplacer, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent chez Lady Muse. Donc, je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'infos également si vous voulez aller vous abonner. Donc, c'est organique et botanique. C'est sérum énergisant pour le visage à la noix de coco de Madagascar. Voilà, je connais pas du tout. C'est vegan, cruelty free. Il n'y a pas d'huile de palme, c'est du naturel. Voilà, voilà. Donc, c'est un sérum très liquide, apparemment. Avec une petite pipette en verre. Ils sont pas trop la coco à voir une fois appliqué. Mais donc, du coup, j'espère qu'il n'est pas trop gras, par contre. Non. Perfecto. Bon, il sent bon. J'ai pas l'impression que ça sent la noix de coco, mais il sent bon. Et il pénètre super vite. Ouais, je sais pas trop, ça sent super bon. En tout cas, c'est super frais. Donc, c'est le prochain sérum qu'on va attaquer. J'ai également fini celui-ci. Alors, c'est celui que je porte. Je le porte en F10. En fait, j'ai fait une tambouille. Mais quelque chose de pas possible. Pour essayer d'avoir le teint. Je voulais voir pour acheter, soit racheter une teinte plus claire de ce fond de teint-là pour refaire le mix, ou acheter un éclaircisseur de fond de teint, et après ça m'a fait ding 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 ding, tu as ceci cocotte que tu n'utilises pas, l'anti-cerne blanc de Jeffree Star. Donc j'ai mis le reste du F6.5, j'ai tout mis dans le flacon du F10, hein. J'ai mis le reste du F6.5 pour l'éclaircir déjà de base. Ensuite j'ai mis tout ce qu'il y avait de mon anti-cerne, alors la quantité était très petite, je sais pas comment est-ce qu'il fait. Je ne sais plus, mais c'était très petit. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis ce qui restait de l'anti-cerne blanc de Jeffree Star dedans. Et également de la Cut Canvas en teinte blanche, la Halo. J'ai mis dedans également. Et la teinte est bonne, les gars. Donc, voilà. J'ai pas besoin de racheter quoi que ce soit pour pouvoir finir ce fond de teint. Bon, là, il y a encore un peu d'air dedans qui s'est mis. Il faut que je continue à pomper un peu pour que ça sorte tout de suite. Mais on en est à peu près, allez, je vais dire ici. Donc, je ne saurais peut-être pas le finir sur le mois parce que je dois d'abord finir le essence. Enfin, je dois aussi finir le essence. Mais voilà ce qui reste. Donc, ah, mais c'est 2 mois, mais dans la rotation. Donc, je pense qu'il y aura moyen de le terminer assez vite et après pouvoir finir mon 4S. Mais vous voyez, j'ai la base en dessous W7. Et il... Alors, c'est pas catastrophique, hein, on est d'accord. Mais il file plus dans les ridules. Et même le Continent Define fait à peu près la même chose. Il file plus que le Catrice. Donc après on se demande pourquoi j'aime autant le Catrice, hein. Bref, donc là celui-ci est le essence à terminer. Et du coup dans la vidéo, comme vous avez pu le voir, j'ai fini ces deux mascaras là donc bah, écoutez, on continue, hein, pour les cils du bas j'en ai plus de stock, mais je vais en recevoir un tout à l'heure. J'ai fait une commande chez Boozy Shop hier. Alors pas pour moi la commande, c'est pour finir mon swap qui est prévu pour le mois prochain. Donc là j'ai commandé, ben, je vais pas vous dire quoi, mais je me suis repris du coup un mascara pour les cils du bas et c'est un Wet n Wild je crois. C'est la même brosse que le Skinny Lash, d'ailleurs il s'appelle Skinny Mascara aussi, que le Skinny Mascara que j'avais de chez Creutzvat, mais c'est marqué Extra Black. Donc comme je vous ai toujours dit, j'aurais aimé que ce mascara soit un peu plus noir, puisque la brosse était d'enfer et le produit séparait bien les cils et tout, mais il n'était pas assez noir à mon goût. Donc là on va voir si c'est la même brosse. Il est un peu plus cher, il est 4,95€ je crois de mémoire, mais je vous montrerai ça quand j'aurai reçu mon paquet qui doit arriver cet après-midi. Du coup je devais aller chez Action cet après-midi pour chercher le papier cadeau pour le swap, je pense que ça sera pour demain, sauf si Chéri se réveille très tôt. Là il est 10h10, 10h11, donc on va voir. On va voir, on va voir. Après, j'ai encore quelques semaines. J'ai à peu près encore 15 jours pour le terminer. Il me manque 2 produits que je dois aller chercher en magasin. Le papier cadeau et un petit peu de saloperie à manger, quoi. Un petit peu de chocolat parce que j'entretiens le cul des gens comme on entretient le mien. Voilà. Et ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Là, je vais aller faire le montage. Comme ça, après, je peux retourner à mes Sims. Du coup, Esprit Criminel, j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, quoi que si, je suis à la saison 4 ou... Non, je viens de commencer la 5.
Donc j'ai quand même avancé entre-temps, hein, mais comme là, ça fait 2-3 jours que je suis de nouveau à fond sur les Sims. Moi, c'est par passe. Je vais jouer H24 pendant des jours. Et après, je vais me lasser, je ne vais plus jouer pendant des mois. Voilà, c'est comme ça. Mais là, avec le challenge, je pense que je peux tenir un petit peu. Après, j'ai fait des modifications par rapport aux règles. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites. Et puis, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je vous montrerai ma famille. Je vous expliquerai un peu le challenge. Et je vous expliquerai les modifications que j'ai fait moi. Puisque je suis pas, je joue pas pour me pourrir la vie. Mais donc, du coup, je me facilite un peu les choses. En respectant les règles principales du challenge quand même. Hein. Je triche pas trop. Donc voilà, là je vais aller faire pipi et me refaire un café. Parce que comme d'hab, je dois pisser. Vous commencez à avoir l'habitude. Il faut que je lave mes pinceaux. J'en ai jamais autant. Je vais les descendre d'ailleurs, je pense. Voilà. Et voilà. Donc écoutez, je vous reprends tout à l'heure en bas, je pense, si je me suis réveillée. Pour vous montrer quand j'ai reçu ma commande. Et puis s'il y a d'autres choses, je vous préviendrai au fur et à mesure. Donc là, il est midi moins 10. J'ai fini mon montage qui est en train d'enregistrer. Voilà. Monsieur est enfin réveillé. Voilà. Là, je viens de recevoir un mail de PostNL pour dire que finalement, la livraison, ça sera demain. Donc, on va pouvoir aller chez Action. Chérie doit être content. T'es content ? Il faut que je cherche mon papier cadeau. Avant d'aller chercher Georges. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et je dois aller poster un colis Vintel aussi. Donc, on va voir. Ça, il finit à 2h20, je crois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Entre-temps, j'ai lavé mes pinceaux. J'ai le chien qui voulait que j'aille jouer avec lui dehors, mais je crois qu'il n'a pas compris qu'il faisait trop froid. Et j'ai aussi ma pile de bouquins là à mettre en vente sur Vinted que j'ai toujours pas fait. Donc je sais pas. Là j'attends que le montage ait fini de s'enregistrer. Comme ça je peux retourner à mes Sims. Passionnante ma vie, n'est-ce pas? Donc il est 13h10 en gros. Si vous entendez gueuler, c'est monsieur qui clique juste par là. En plus sur deux PC. Donc je m'étonne que ma vidéo met du temps à charger. Il reste 40 minutes là, ça met 1h15 pour charger une nouvelle vidéo de 10 minutes. 11 minutes. Donc la vidéo est en train de charger et je viens de vous mettre une story sur Insta. Donc vous l'avez déjà vu, ceux qui me suivent sur Insta, pour voir si vous voulez que je vous mette une vidéo le lundi aussi, parce que je m'ennuie quand j'ai pas de vidéo qui sortent deux jours de suite comme ça. Donc, je vous avais prévu la vidéo qui sort demain, qui est une couleur 5 make-up. On attaque avec le vert. Et est-ce qu'on n'alternerait pas avec une semaine sur deux, une palette, un make-up? Voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire, comme ça je sais. J'aurai la réponse sur Insta, mais comme vous ne me suivez pas toutes là-bas. Voilà, voilà, donc du coup, Action, ça sera pas pour aujourd'hui. Là, j'ai renfilé piou-piou, je suis gelée. On ira jeudi, je pense, puisque mon colis doit venir mercredi. Entre 13 et 17 maintenant, ça change tout le temps. Donc, jeudi ou vendredi, je pense. Voilà, on verra bien. En même temps, c'est pas super urgent, j'aimerais bien commencer à emballer le swap. Il y en a qui m'ont demandé avec qui c'était le swap, hein, mais je vous le dis pas, vous verrez bien. Il n'y aura pas de surprise pour celles qui me suivent. Ben, je crois que c'est tout. Faut pas que tu oublies Sam dans une heure. Enfin, il a dit vers 3h. Tu pouvais aller chercher vers 3h. Il veut traîner avec son pote. Voilà, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Je crois que ce vlog va être assez court. J'ai déjà pas filmé hier et que bah, monsieur est là toute la semaine. Donc enfin seul, je m'éclaire avec la luminosité de mon écran. Hein. J'ai mis la luminosité. Ah non, elle n'est même pas à fond encore. Voilà, ça va illuminer de mes lunettes. C'est les Sims, je suis en train de jouer aux Sims. Donc là, la vidéo de vendredi est programmée et tout ça, tout ça. Alors je vous raconte pas la dégaine. Je suis mais en mode vraiment surgelé. Alors je vous explique la dégaine de grand-mère surgelée qu'il faut. J'ai un t-shirt qui est mon bébé Yoda,
mon pyjama pilou-pilou, le roi lion, mon peignoir léopard en pilou-pilou, une écharpe et ma bouillotte. Mais j'ai enlevé la housse parce que sinon j'ai trop froid. D'ailleurs, je vais la glisser dans mon peignoir maintenant pour me réchauffer un peu plus. En fait, plus elle est chaude, enfin moins elle est chaude, plus je descends les couches, voyez. Donc au début, elle est super bouillante, donc je la mets au-dessus de mon peignoir. Après, elle est moins chaude, donc je la mets en dessous du peignoir. Et puis après, je vais réchauffer là, quand j'ai vraiment trop froid. J'ai rattaché mes cheveux aussi, là je vais aller me démaquiller. Il est 15h. Chérie est partie chercher Georges à l'école. Il finit à 14h20, mais il voulait rester un peu avec ses copains avant de rentrer. Donc voilà, et poster mon collier Vinted. Donc voilà, j'ai la super dégaine, mais je suis maquillée les gars. Et ouais, il y avait un autre truc que je voulais vous dire, mais je sais plus quoi du tout. Là, je vais aller manger un bout. Je vais manger un petit gâteau, une petite gaufre au chocolat. J'ai envie de chocolat en ce moment. Donc je vais manger une petite gaufre au chocolat. Et je crois que la journée sera bonne. De toute façon, après, il y aura Georges. Donc c'est pas vraiment la peine que je vous reprenne. Vous le verrez peut-être un peu demain, vu que demain, c'est mercredi qui finit plus tôt. Donc du coup, j'irai chez Action jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore. Ah, j'ai mal les jambes. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même rester là au cas où mon colis arriverait quand même. Bon, après, il est 15h, donc il pourrait encore arriver. Mais comme le suivi me marque qu'il est reporté à demain, donc demain, je vais attendre le colis, puisque normalement, PostNL arrive vers 14h30, entre 14h30 et 15h30 chez moi. Après, comme ils ont beaucoup de retard en ce moment, je ne sais pas s'ils seront là à l'heure, donc on verra bien. Puis bon, mercredi après-midi, il y aura trop de monde et je n'aime pas faire les magasins quand il y a du monde, encore moins en période de confinement. Mais il me faut pas grand-chose, hein. Je vous montrerai ça quand j'aurai été, mais il me faut juste du papier cadeau pour mon swap, du papier cadeau de Saint-Valentin, puisque c'est un swap Saint-Valentin. Donc avec des petits cœurs, j'espère que je vais en trouver. Elle en a trouvé des jolis, donc moi j'espère trouver aussi. Il me faut trois petites pochettes cadeaux, pareil pour le swap avec des petits cœurs, puisque comme il y a des trucs où il y a plusieurs produits, c'est plus facile de mettre dans un petit sac cadeau que dans un emballage. Il me faut des friandises pour le chat. Il me faut un rouleau de scotch pour mes ventes Vinted au cas où, parce que le mien, j'ai entamé le dernier et il a déjà bien vécu. Donc, mon mari m'en a retrouvé un petit comme ça. Mais il m'en faut quand même. Et je crois que ce sera déjà pas mal parce que j'ai un budget limité. Je devrais y retourner. De toute façon, il me faut d'autres choses. Il y a propos qu'il y a voir ce qui se passe. Il me refaudra d'autres choses, mais bon, ça attendra la paye, quoi. Donc là, on verra bien. Voilà, donc j'en profite pour papoter un peu avec vous avant que mes hommes y rentrent. En dégaine de mamie congelée, mais en dégaine. Voilà, je suis maquillée. On tourne en rond. J'ai très faim. Je vais pouvoir faire le montage ce soir, enfin tantôt du premier jour de vlog, du coup, vu que j'ai pas vlogué hier. Le moral d'aujourd'hui, ça va un peu mieux. Hein. Après, il y a voilà, c'est des hauts et des bas. Hein. Vive la dépression, comme on dit. En ce moment, il y a plus de hauts que de bas. Je dois l'admettre. Donc ça fait du bien au moral. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Mais quand c'est des jours sans, ben c'est vraiment sans, quoi. Donc j'ai rien envie de foutre et je suis fatiguée. En même temps, le manque de sommeil chez moi, ça fait beaucoup aussi. Et comme j'ai dormi 3-4 heures sur les 3 dernières nuits, pas cette nuit-ci, cette nuit-ci j'ai mieux dormi, mais les 3-4 nuits d'avant, j'ai dormi que 3-4 heures par nuit. Donc le cumul de toute cette fatigue fait que mon moral prend direct un coup, mais ça, dépression ou pas, c'est comme ça chez moi. Moi, je suis comme les bébés, hein. Quand je suis fatiguée ou quand j'ai faim, je suis grincheuse. Voilà, je suis comme les bébés. Pour le sondage Instagram, pour les vidéos de lundi, vous êtes pour l'instant 100% à avoir répondu oui. Donc, je pense que ça se fera vraiment. Là, je vous dis celle de... Alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous en parler un peu plus en détail. Donc, à partir de demain pour vous, hein, donc de lundi, vous aurez un lundi sur deux une palette, un make-up. Donc ça, je vous expliquerai quand on fera la vidéo comment est-ce qu'on va procéder pour la palette et tout ça. Et à partir de ce lundi-ci, en décalé, du coup, en alternance avec ces vidéos-là, vous aurez une couleur 5 make-up. Donc voilà, ça sera 5 make-up sur la même couleur. Donc bien sûr, j'ai commencé par le vert. Hein, on se demande pourquoi.
Après, c'est forcément c'est des en musique, puisque sinon c'est beaucoup trop long. Hein. Si je dois vous parler pendant Snack Makeup, il y en a pour 3 heures de vidéo. Et ça peut arriver possiblement, même très probablement, qu'il y ait plusieurs fois le même make-up, juste changer la couleur. Puisqu'après toutes les formes de make-up, il n'y en a pas 15 000 non plus. Donc voilà, j'essaye de varier les associations et tout ça. Donc le principal dans cette vidéo, c'est que là, par exemple, pour la vidéo des 5 make-up verts, que le vert soit la couleur dominante du make-up. Soit sur la bouche, sur les yeux, sur le nez. Voilà. Mais ça vous donnera peut-être des idées d'associations de couleurs, de make-up, de formes de make-up. Voilà. Si, comme moi, vous aimez le vert, vous aurez 5 make-up à reproduire. Après, je vais faire le mauve. Donc, la prochaine fois, ça sera mauve. Et puis, ainsi de suite, je changerai les couleurs. Alors, il n'y a pas de kaki dans le make-up vert parce que j'ai noté la couleur kaki pour faire 5 make-up kaki. Avec tous les fards kaki que j'ai acquis récemment et moins récemment, il y a moyen de faire plusieurs make-up. Donc voilà, ben moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Là je vais aller me démaquiller, enfin manger un bout, me démaquiller, jouer. Et puis après ça sera déjà l'heure de faire à manger. Je crois que ce soir je vais faire une omelette avec une salade. Voilà, j'avais acheté de la salade hier, j'ai envie de salade et j'ai envie d'œuf. Donc omelette, salade, ça sera très bien. Peut-être faire quelques croquettes de patates ou un truc comme ça pour les monsieur, je ne sais pas encore. Et hier, il a réussi à réparer le four. Le four refonctionne depuis hier. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais disons qu'on peut décaler l'achat du four. Donc, c'est déjà pas mal. Maintenant, la priorité, c'est la machine à laver. Même qu'elle lave encore le linge, mais c'est tellement chiant qu'elle fasse sauter les plombs, là, j'en peux plus, donc... La machine à laver en priorité et on va regarder à ça le mois prochain avec les soldes, on va voir. Voilà mon chachas. Je viens de voir que j'ai plus de batterie. Voilà. Donc là je viens de finir de tourner ce make-up qui est pour la vidéo de demain. Du coup vous allez être pas mal spoilé. Hein. Voilà, mais vous verrez avec quel produit et tout ça j'ai utilisé. J'attends mon colis du coup Boozy Shop vu qu'il n'est pas venu hier. Ce matin j'étais venu. Ah oui, il est 10h23. Ce matin, j'ai téléphoné au médecin pour qu'il renouvelle mon ordonnance pour mon estomac. Enfin, c'est des pansements gastriques que ça s'appelle, des pantomèdes, que je dois prendre à vie hein, à cause de l'opération et sans compter mon acidité. Et je suis gelée, mais vraiment gelée. Pourtant, j'ai le chauffage juste à côté de moi. Hein. Et du coup, je lui ai demandé qu'il me represcrive des antidépresseurs. Des antidépresseurs. Je lui avais demandé quelque chose de léger au début de la mort de mon père, enfin juste après la mort de mon père, pour le moral et tout ça. Et je lui avais demandé quelque chose de léger qui ne créait pas trop d'accoutumance. Je les ai arrêtés quand j'ai commencé à avoir une psychologue parce qu'elle me disait que si on faisait un peu les concons avec les cachets, ça pouvait. Il y a un chien qui se pointe dans mon bureau. C'est un chihuahua. Bonjour madame. Que voulez-vous? Frites maillot? Oui, c'est l'heure de la poulette, je viens. Je viens. Oh, chiante. Attendez, je la chope. Tu vas encore te fracasser la tête. J'ai les mains gelées, hein. Bonjour, Chicouré. Donc, je lui ai demandé... Alors, vous allez entendre... Elle a la gueule juste au-dessus du téléphone, vous allez entendre des petits bruits de cochon. Et viens ici. Donc, je lui ai demandé qu'il me prescrive ces cachets-là, puisque la psychologue m'a vraiment fait peur, puisqu'elle disait que ça pouvait créer des tendances suicidaires, même chez les gens qui n'en ont pas. Donc, du coup, j'ai pu oser les prendre. Et là, je vais quand même demander qu'il m'en donne, parce que le moral, en ce moment, c'est pas folichon. C'est pas que je suis au bout du rouleau, hein. C'est juste que... Vous allez vraiment bien entendre ces bruits de cochon. Hein. C'est juste que je suis... vide, voilà. J'ai l'impression d'être une coquille vide en ce moment. J'ai l'impression de plus vraiment avoir réellement de sentiments, de sensations, des choses comme ça. Enfin bref, on s'en fout un peu. Donc voilà. Et puis maintenant, je vais attendre mon colis Boozy Shop qui doit venir dans l'après-midi. Demain, ça sera aller chez Action pour aller chercher papier cadeau pour emballer mon foie. Enfin,
Donc là, je vous prendrai peut-être avec moi, je ne sais pas encore. Et là, j'ai utilisé le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Attendez, je la mets par terre parce qu'elle m'énerve à trembler et à faire le cochon. Là. Elle est multifonction. C'est un chien, cochon, aspirateur et vibromasseur. Et j'avais dit que je regarderais, je vous ai dit ça dans le dernier vlog, et je n'ai pas pensé que je regarderais pour des produits nude qui ressemblent au Pillow Talk. Donc vous savez quoi, on va déjà chercher un crayon dans les nudes que j'ai. Alors voilà, là c'est le swatch du crayon, donc je vais vous montrer après. J'ai le NYX, non il sera trop beige celui-là, ouais il me faut un peu plus rosé. Makeup Forever, c'est pas vraiment un dupe puisque question prix on n'est pas trop dedans. Celui-ci de chez Essence, trop corail. Et nous avons un gagnant. Bon, un peu moins rose, mais on va quand même le garder de côté. Le pastello, je sais même pas si ça existe encore, Neve Cosmetics. On n'entend plus parler. Hein. Et bien, je viens de vous trouver le dupe parfait, je pense. Ouais. Donc, le meilleur dupe que j'ai, c'est le pastello Ballerina. Ballerina. Je vais vous montrer. Hop. Ici, on a le Charlotte Tilbury, juste là. Et ici, la continuité, c'est le pastello. Et ici, on a le Essence, qui ressemble pas mal aussi, qui est le... Donc, c'est eux qui ressemblent à ça. J'avais eu dans le swap avec Manon. Bon, il ne veut pas vous montrer le focus. Donc, c'est les Long Lasting, les Lip Liner Tea Time. Il est pas mal ressemblant, mais celui-ci est identique, le pastello. Voilà. Donc, je vous ai déjà trouvé un dupe du crayon. Écoutez, c'est pas trop mal. Le rouge à lèvres, c'est assez basique aussi. Je me demande si le MAC, que le Angel de chez MAC, est pas... Non, il est peut-être plus clair, le Angel. Parce que celui-ci est quand même assez beige. J'adore l'odeur de ce rouge à lèvres. Celui-ci de chez BH. Non, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout, ma chérie. Oh, nous avons un gagnant. Ah ouais. Qui est un Wet n Wild. Vraiment pas cher en plus. C'est le Berit Hall. Donc c'est les tout petits classiques de chez Wet n Wild. Je vous montre. Charlotte Tilbury et le Wet n Wild. Et là, c'est le BH. Donc, ouais, la lumière, il change un peu. Mais là... Il est pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Il est juste un tout petit peu plus foncé. Mais je dirais qu'il a un quart de teinte en plus. Hein. C'est pas énorme. Mais sinon, c'est la même teinte. Voilà. Bon, du coup que je vous ai fait ça, je vais redescendre, recharger ma batterie parce que j'ai presque plus de batterie. Donner à manger au chien, me refaire un café. Et puis on verra bien ce que je fais après. Voilà, voilà. De toute façon, je vous reprends certainement tantôt. Oh, j'ai pas remis mes lunettes. Mais dites-le moi quand c'est comme ça, je m'étonne que je vous vois pas bien. Donc, maintenant, café, décharge, rechargeage. Et peut-être commencer le montage des make-up que j'ai déjà fait pour lundi, enfin demain pour vous. Et voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ah si, il faut que je fasse le ménage. DJ vient vendredi début d'après-midi, puisque vendredi matin, j'ai un appel important que je dois attendre. Donc du coup, elle vient à 13h30 vendredi. Voilà. Et puis, je vais pouvoir continuer mes Sims. Ou mes esprits criminels. Je sais pas, j'alterne entre les deux un petit peu en ce moment. Et de temps en temps, je regarde une vidéo des copines. Ce matin, je me suis réveillée en regardant les coquetteries de Laetitia. Voilà, très belle découverte. J'ai fait deux belles découvertes là, YouTube récemment. Je vous mets leur chaîne en barre d'infos. Hein. Donc, il y a les coquetteries de Laetitia et Colorful Palette. Pas du tout le même style de nénette, mais deux nénettes adorables. Voilà, j'aime beaucoup les regarder. Donc là, ce matin, je me suis réveillée en buvant mon café. Enfin, j'ai bu mon café du matin avec Laetitia. Et j'ai encore quelques vidéos en retard à regarder.
J'ai même pas fini la dernière vidéo de Marion Caméléon. C'est un scandale. Et j'ai pas vu le dernier vlog de Salomé. Je suis en retard dans les vidéos, c'est un truc de fou. Après, je prends pas le temps, je vous l'avoue. Bon, on se retrouve tout à l'heure, certainement en bas, pour vous montrer le mascara Wet n Wild, du coup, que j'ai commandé, puisque je peux pas vous montrer la pièce maîtresse de ma commande, puisque c'est pas pour moi. Voilà. Toto. Donc là, je vous prends... Alors, j'ai peut-être dézoomé pour que vous me voyez mieux. Vous imaginez même pas, j'ai fait c'est l'escalade là en dessous pour que vous me voyez. Bon, on va dire que c'est bon. Donc là, il est 16h30. Je termine jamais les journées de vlog aussi tard. J'ai reçu ma commande il y a une heure de chez Boozy Shop. Donc je vais vous montrer. Déjà, pour commencer. En fait, j'ai fait ma sieste. Voilà. Donc j'ai la gueule enfarinée et tout ça, tout ça. Mais du coup, en cadeau, j'ai eu des fossiles comme ça de la marque Boozy Shop. Donc moi, j'aime beaucoup ceux-là que Amy m'avait donné. Mais ceux-ci sont plus longs. Largement plus long, donc du coup je vais les donner à Amy ceci pour qu'elle puisse les tester vu qu'elle n'a pas testé cela. Donc voilà, ça sera pour Amy. L'autre truc, c'est pas pour moi, c'est pour un swap. Et moi j'ai pris pour moi juste le skinny, donc c'est le Mega Steam Skinny Mascara de chez Wet n Wild en teinte black. Il y a 6,5 ml, plus basique comme mascara, on meurt, mais je l'ai pris pour les cils du bas. Puisque c'est une toute petite brosse toute fine comme ça. Voilà. Et comme j'ai fini mon Catrice et que j'ai fini mon Creutzfeldt aussi, on va voir, je le testerai demain pour le make-up de demain. Donc j'ai hâte de tester ça, voir s'il est bien black. Et comme ça, la prochaine fois que je fais une commande, je me reprends un ou deux backups et puis je suis un petit peu tranquille. Parce que comme j'utilise ça que pour les cils du bas, ça tient relativement longtemps dans le temps, n'est-ce pas? Et donc voilà pour la commande que j'ai enfin reçue. Demain, on va chez Action. Je vais aller chercher papier cadeau pour emballer mon swap. J'ai tellement hâte qu'on puisse l'échanger. J'ai la gueule complètement défraîchie, n'est-ce pas? Sinon, hier, c'était à mon tour de faire à manger. Mais du coup, j'ai pas fait à manger parce que je me suis endormie comme un gros caca dans le canapé à 16h30. J'ai dit à mon homme, je me couche juste 10 minutes parce que j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. 10-15 minutes, je ferme les yeux pour me reposer un peu. Et il m'a réveillé, il était 7h. Il avait fait à manger et tout. Donc, du coup, c'est à moi de faire aujourd'hui. Et je vais faire des pâtes et des œufs. Il n'y a pas de haricots blancs sauce tomate. Je déprime, ça y est. J'ai pas de haricots blancs sauce tomate, je vais mourir. C'est la base pour manger avec les pâtes et les œufs. D'ailleurs, je sais pas comment je vais leur faire leurs pâtes. Moi, j'avais mangé blanche avec des aromates dedans, comme d'hab. Mais eux, je sais pas ce que je vais leur mettre dedans. Peut-être bien de la crème. On verra bien. Donc, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire en particulier aujourd'hui. Je vous ai dit, la semaine, ça va être super chiant puisque monsieur est là. Donc, je peux pas vloguer comme je veux. Bon, pas que ça le dérange. Hein. Vous avez bien vu, hier, j'ai parlé, il était là, il dit rien, mais... Il n'est pas en congé pour m'entendre parler à ma caméra, quoi. Donc, voilà. Donc, demain, Action. Il doit aller au contrôle technique, donc on pourra papoter un petit peu plus en bas. Et voilà. Vendredi, j'attends mon appel que je dois attendre le matin. Et DJ vient début d'après-midi. Donc, ça fera une fin de vlog un peu plus fournie, je pense, que ces deux premiers jours, puisque j'ai déjà pas vlogué le lundi. Mais ça m'empêche pas de papoter pendant 2 heures. Hein. Voilà. Donc là, je vais aller à la douche. Et je regarderai pour faire à manger. Enfin, pour préparer le repas. Et voilà. La journée sera presque finie. Alors, il est 10h15, tout pile, voilà. Je viens de finir de filmer ce make-up vert. Alors, je vous spoil toute la semaine, mais bon, c'est des vidéos qui prennent du temps en préparation, enfin en tournage et en montage d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je vous spoil. Mes carreaux sont encore une fois complètement dégueulasses. Oh là 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 là. Je vais les nettoyer correctement après. Petit programme de la journée assez soft vu le temps. Je dois aller chez Action. Je sais même pas si on saura y aller.
ça pue du cul, hein, parce que il neige. Je vais vous remontrer ça en bas après. Il neige, c'est tout blanc. Tout blanc. J'ai horreur de ça. Je n'aime pas la neige. La neige et moi, on n'est pas super, super copines. Je vais rapprocher le micro. Qu'est-ce que j'ai foutu sur mon téléphone? Donc, je continue à dire que les fossiles Body Shop que Amy m'a donné, je les adore. Mais je viens de voir que j'ai une paillettasse qui a collé sur ma colle ou une trace de colle. Tant pis. Voilà, ils sont vraiment bien. C'est les Wispies Lashes Demi. J'adore. Ils se mettent en un rien de temps. Ils sont géniaux. J'ai pas besoin de les couper. Bon, ici, j'ai un petit peu collé un peu trop vers le bas du coin externe. Mais ça se voit pas trop. Et donc, voilà. Oui, donc je disais, c'est des vidéos qui prennent du temps à tourner et à monter et tout ça. Donc, il faut de la préparation. Donc, forcément, à chaque fois que je vais en faire une, vous serez à peu près spoilé. Sauf les make-up que je tournerai le week-end. Donc, voilà. Mais bon, je vous dis pas les produits que j'utilise et tout ça. Pour comme ça, je vous garde quand même la surprise pour demain. Hein. Bah oui. Donc, maintenant, je vais vous montrer la neige en bas. J'aime pas. J'ai horreur de la neige. Rien que de penser qu'on doit aller chez Action, là, je stresse déjà. Parce que, bon, mon mari, ça ne le dérange pas de rouler sur la neige. D'ailleurs, il a le contrôle technique. Donc, là, je viens de le réveiller pour qu'il parte plus tôt quand même. Hein, parce que c'est déjà pas tout près. C'est une ville où il neige plus qu'ici. Donc, j'ose pas imaginer dans quel état c'est là-bas. On verra bien. Et puis je pense qu'on ira que quand il revient, sinon on ira demain, je sais pas, ou Action, on verra bien. Donc, ah oui, mais demain il y a DJ qui vient, donc ça va pas, il faut que j'aille aujourd'hui. On va voir. Bref, donc moi je vais aller me refaire un petit café, enfin un petit, un 500 ml de café, mais un petit café pour me réchauffer, et voilà. J'avais rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Faut que j'essaye de trouver un minimum de motivation pour descendre et aller me faire mon café et tout ça. J'ai du mal à la trouver aujourd'hui. Je cherche, hein, mais du mal à la trouver. Alors on dit bonjour à Roberto et Roberto Junior. Ils sont arrivés pendant la nuit avec leurs valises et tout. Ils sont sympas, hein. Du coup, je me demande si c'est pas la base W7 qui me donne des boutons, parce que j'ai jamais de boutons d'habitude. J'ai rien changé en... Ah si, le nouveau sérum, mais bon, je pense pas qu'un sérum puisse donner des boutons, c'est quand même non comédogène. Je ne sais pas. Je vais peut-être changer de base un jour ou deux. On va voir si j'ai des nouveaux boutons ou pas. Voilà, et petit retour sur la colle à fossiles Kiss. J'aime beaucoup cette colle. Magnifique colle. Packaging comme j'aime. Et elle teinte un petit peu pour que vous sachiez quand la coller. Et elle adhère direct. Donc, il y a moins de chipotage. Quoique ici, j'ai dû chipoter un peu. Et j'ai dégueulassé un peu mon liner. Mais bon, je fais souvent les choses en mode cochonnette. Vous le savez maintenant. Donc, vous êtes plus surpris de rien. Bon, allez, je descends faire mon café. Je dézoome un peu, oui, hein. Comme ça vous voyez le chien se lécher le cul en même temps. Oh, c'est magnifique. Alors le truc par terre, là, c'est la petite souris de Lilou. Hein. On est obligé de lui acheter des jouets pour chat parce que les jouets pour chien sont trop gros pour elle. Voilà. Donc on est enfin seul, un petit peu en bas, avec notre cher poil à pelet qui fait du bruit de fond. D'ailleurs que mon mari a oublié de recharger, donc il va falloir que je fasse ça maintenant. Puisque lui, il est parti au contrôle technique. Avec 3/4 d'heure d'avance, parce que vu le temps, il continue de neiger. Je pleure. J'espère que je vais pouvoir aller chez Action. On va voir quand il revient ce qu'il en pense.
Sinon, ce sera demain, après la visite du DJ, on verra bien. C'est pas urgent non plus, hein. Normalement, l'échange de swap, on se le fait le 30 janvier, donc on a encore 15 jours, 3 semaines, 15 jours, 30, enfin, 2 semaines et demie, pas français, ça serait bien. Donc là, j'ai le montage de ce make-up qui est en train d'enregistrer. Du coup, je vous ai filmé le teint avec, voilà, comme ça, il y aura de temps en temps avec du teint, de temps en temps pas, et, au feeling, quoi. Et donc, je m'éclaire avec mon écran, donc vous allez bien le voir reflété dans mes lunettes. Il fait un temps dégueu. Ça va, Proproute? T'as fini de te lécher ton cul? J'ai Mélanie qui vient de m'envoyer des messages et une photo d'elle de son make-up parce que du coup, elle est en train de se taper toutes mes vidéos depuis quelques jours là et mes anciennes. C'est pas bien de ressortir les vieux dossiers comme ça parce que je me reconnais pas sur les premières vidéos, c'est un truc de fou. Et elle me disait que grâce à moi, elle avait enfin osé tester le vert sur les yeux. Et comme je lui ai répondu, donc je vous le dis à vous aussi parce que ça le mérite d'être dit, voilà. Il faut oser, si vous aimez quelque chose, vous testez le maquillage, ça s'efface. C'est pas beau, ça vous plaît pas, vous vous démaquillez, vous recommencez. C'est pas, c'est comme je l'ai dit, c'est pas comme une coupe de cheveux, c'est pas comme quand vous passez des cheveux longs aux cheveux courts d'un coup, ou là vous devez attendre après un certain temps que ça repousse ou mettre des perruques, quoi. Là, ça vous plaît pas, vous vous démaquillez. Et le principal, c'est que ça vous plaise à vous. Ça, j'arrête pas de vous le dire aussi. Vous vous en foutez de ce que les gens pensent. On dit pas de make-up bleu sur les yeux bleus, pas de make-up vert sur les yeux. Ben, sur les yeux bleus, c'est pas conseillé forcément non plus. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, vous n'allez pas finir au tribunal parce que vous avez mis du make-up bleu sur des yeux bleus. Hein. Il faut arrêter 5 minutes. Il n'y a pas de règles. En make-up, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez. Moi je m'amuse avec mon make-up et je teste des nouvelles choses et tout ça. C'est pour ça que j'aime le colorer. Après, quand on se maquille juste comme quand j'allais bosser, par exemple, je pouvais très bien aller bosser avec des make-up super chargés. Sauf que j'avais pas le temps le matin de me préparer. Je mets quand même plus d'une heure à me maquiller par jour. Hein, voilà, parce que, bon, après, parce que je prends mon temps, ça me détend. Hein. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, je faisais un make-up assez basique pour être allé tous les jours le même. Mais vous faites ce que vous voulez en make-up, vous cassez pas la nénette. Je vous dis, vous aimez pas, vous vous démaquillez, vous recommencez. Et voilà, et il faut s'entraîner aussi, parce qu'elle me disait que le vert, c'était très dur à travailler, mais c'est juste de l'entraînement, c'est sûr que c'est hyper chargé en pigments. Ça dépend aussi des palettes que vous utilisez, hein, parce qu'il y en a qui se travaillent mieux que d'autres. Il y en a que c'est que des pigments pressés, donc c'est plus compliqué à travailler que si c'est des fards à paupières. Donc voilà, si vous voulez commencer avec des couleurs, je vous conseille une palette de fards à paupières et pas de pigments pressés, parce que vous risquez de faire des tâches et de ne pas savoir le dégrader correctement. Donc commencez tout simplement avec des fards à paupières classiques, on en trouve un peu partout, même des monos. Si vous voulez juste tester une fois du vert, bah vous achetez un petit fard mono, vous prenez une palette de nude pour faire votre creux, un joli dégradé, et vous mettez juste le vert sur la paupière mobile, et bam, vous avez votre make-up vert, quoi. Et vous vous êtes pas cassé la lunette. Voilà. C'était le petit conseil du jour de Mamie Evelyse. Voilà. Il faut que je bouge mon trépied de, enfin mon pendoir à linge avec le truc de passe à linge. Là, ça fait pas très joli en déco. Hein. Et les vêtements de Georges, il faudrait qu'ils m'érangent aussi un jour. Ce serait bien. Donc là, j'ai enlevé mon vernis. J'avais testé celui que j'ai reçu à la place du Elite 99. Là. Il est très beau. Il y a des micro paillettes vertes dedans. C'était vraiment très beau. Mais il tient pas bien. Il fait comme une peau en fait, comme ça, et vous pouvez l'enlever comme un rien. Bon, moi, c'est ce que je fais toujours avec mes VSP, chose à ne pas faire, bien sûr. Je l'enlève toujours comme ça en le pelant parce que ça me passe le temps. Donc là, je pense que je vais soit remettre une couleur dessus ou juste mettre du vernis transparent pour les durcir un peu. Je sais pas encore. Je pense que je vais quand même remettre une couleur. J'aime pas trop quand ils sont tout nus comme ça. J'aime bien quand il y a une petite couleur quand même dessus. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, là je suis en train de boire un cappuccino parce qu'il ne me reste plus que 3 cafés au lait. Ah, échec du partage, il faut que je recommence. Il ne me reste plus que 3 cafés au lait. Donc je suis légèrement en pleine dépression. Parce que si j'ai pas mes cafés au lait, je deviens folle. Donc là, il faut absolument... Ouf, c'est trop clair l'écran. Il faut absolument que Chérie aille m'en chercher tout à l'heure.
J'aurais bien aimé que ce soit avec la machine à café qu'il a eu les 80 capsules. J'aurais bien aimé que ce soit 80 capsules de café au lait. Ça aurait été top. Mais c'était pas le cas. C'était un mix. Donc, de temps en temps, j'alterne avec un cappuccino ou un latte macchiato. Et voilà. Donc, ça fait déjà 6 minutes 30 que je papote avec vous. En même temps, ça fait quelques... Enfin non, on a papoté hier, mais enfin voilà. Je cherchais pas à comprendre, j'ai envie de papoter, voilà, c'est comme ça. Une fois que j'ouvre ma grande bouche, j'ai du mal à la fermer. Donc vous avez pu voir dans les images, juste avant que je vous reprenne, que monsieur Ryan voulait que j'aille jouer avec lui dehors quand même. Il tarit ce chien, pas compris la ligne. Moi, sortir cantiner, déjà que là, si je vais chez Action, je vais devoir me faire violence pour sortir de chez moi. Et continue de neiger. Ah, des gros flocons maintenant. j'ai des problèmes, j'aime pas la neige. Je vais manger un bout aussi, tant que j'y pense, parce que sinon j'ai encore oublié. Parce que là, il est quand même 11h51, donc il me reste des pâtes au beurre d'hier, puisque hier je ne me suis pas cassé les nez, j'ai fait des œufs et des pâtes au beurre. Je vais peut-être me refaire un œuf d'ailleurs avec, mais j'ai plus d'aromates. Déjà hier j'en avais plus. Et c'est pas bon les pâtes sans aromates. Donc du coup je mets du sel rose d'Himalaya à la place, mais c'est pas pareil, je préfère les aromates. Et j'en ai plus. Faut que j'en rachète. D'ailleurs, si je vais chercher des cafés tantôt chez Auchan, je vais reprendre. Parce que la vie sans aromates, voilà. Ah, ou au Maggi. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des pâtes au Maggi. Ouais, je vais mettre du Maggi dedans. Ouais, je vais mettre du Maggi. Ça changera un peu de hier que j'avais mis du sel. J'adore le Maggi. D'ailleurs, nous, on les achète en grosse bouteille d'un litre, je crois. Ouais, on consomme beaucoup de Maggi ici. Et d'aromates, mais j'en ai plus. Et là, c'est tout pour me faire péter un câble aujourd'hui. De la neige, pas d'aromates, presque plus de café. J'ai une vie compliquée. Hein. Bon, ça va quand même faire 10 minutes que je papote avec vous. Donc là, je vais vous laisser. J'espère que mon montage ne va plus planter, que je puisse jouer au chips. Et voilà, on se retrouve peut-être un petit peu tout à l'heure. Si je vais chez Action, de toute façon, c'est sûr, je vous reprends et je vous montrerai à la fin ce que j'ai acheté, enfin le papier cadeau que j'ai acheté, puisqu'il ne faut pas grand-chose. Et voilà. Bon, je recommence puisque ma vidéo s'est arrêtée. Je disais donc, on a été chercher Georges à l'école et monsieur à côté qui roule se fout totalement de ma gueule parce qu'on glisse sur la neige et que j'ai peur. Je vais me pisser dessus dans 5 minutes et lui, ça le fait mourir de rire. Et il a failli écraser un chien. C'est méchant. Parce qu'il y a quand même des gens qui laissent courir les chiens sur la route après d'autres chiens alors qu'il neige et que ça glisse à mort. Donc heureusement que le chien s'est arrêté parce qu'il passait en dessous de la voiture. Donc voilà, et là je m'en serais personnellement pas remise. Même si c'était pas moi qui lui roulais dessus, je m'en serais pas remise. J'ai écrasé une fois une souris, ça m'a traumatisé. Donc voilà. Et donc on a été faire 2-3 courses, on a été chez Action chercher papier cadeau, 2-3 courses chez Cora chercher des cafés. Voilà. Et maintenant on rentre, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action, j'ai pas pris grand chose. Voilà voilà. Et Georges, il a eu une grosse journée d'école aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah ouais, du coup. C'est la seule journée de la semaine qui est complète chez lui, mais il a quand même réussi à finir une heure plus tôt. Hein. Il fout vraiment rien ce petit jeune. Touche mes mains, ils sont en feu. Toi, tu viens d'aller jouer dans la neige et t'as chaud les mains et moi j'ai émagé, alors tu es. Bah la neige ça brûle, hein, je te signale. Ça brûle par le froid, c'est pas pour ça que t'as les mains chaudes, gogole. Si. Donc. Je vous mets droit. Du papier cadeau pour taper la tête. J'ai trouvé mon papier cadeau. Voilà. Avec les petits cœurs, puisque c'est un soir de Saint-Valentin. Georges a eu des chaussettes, il est heureux. Non, je me cache. Tu te caches, bah, va en haut, va les ranger. Je vais essayer de vous dire les prix en même temps. Je me fais maltraiter par tout le monde. 69 centimes le papier cadeau. J'ai trouvé des petites pochettes cadeaux. Celle-ci, en holographique. Quand même, c'est bien, tu payes pour te faire, taper. Avec des petites bouches. Et celle-ci, dans le thème Saint-Valentin aussi. Et ça, c'était... Ah non, 69 centimes, c'est le scotch. Le papier cadeau, il est à 49 centimes le rouleau. Pochette cadeau,
49 centimes et 2 à 98 centimes. Ça, je peux pas vous montrer. Non. Monsieur s'est repris ça, des gâteaux fourrés goût amande. Pourquoi c'est marqué thé, Earl Grey ? Parce que j'ai acheté du thé. Fourré 6 pièces, ça doit être ça, non ? 69 centimes. Les gaufres, elles sont extra bonnes, ça oui. Je les en mangerai quand même. 86 centimes les gaufres. Mais t'en as pris des saloperies à bouffer, toi. C'est pas moi, ça. Non, c'est pas pour toi, non, je jure. J'ai repris des friandises pour le chat, qui sont à 78 centimes. Ils sont les prix de la bouffe, hein. Ça, ça a l'air d'être un bueno. Ah oui, ça a l'air d'être des bueno, comme il dit. Donc à goûter, 5 pièces. Qui sont à... Choco-choc. Voilà, c'est ça. 99 centimes. Je me suis trouvé ça, les gars. L'eau de rose, mais en brume hydratante pour le visage. En format 150 ml. Donc, je vais tester. J'ai presque fini la mienne de W7, donc ça tombe bien. Elles sont bonnes. Oh, elles sont encore mieux que l'eau de rose. Elles sont un peu plus fortes. Donc, on peut tester ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Brume hydratante à l'eau de rose de Damas. Fermez les yeux et vaporisez la brume uniformément sur votre visage. Voilà, c'est très explicite. Des scotchs pour mes colis vintage. On en a repris 3. Ah, ça, j'ai pas noté. Il s'est repris ça aussi. Il s'est pris beaucoup de bouffe. Hein. Donc ça, il adore ces petits chaussons feuilletés fourrés à l'abricot. Qui sont à... fourrés 6 pièces. Non, c'est pas celui-là. Hein. Chaussons aux abricots, 77 centimes. On a repris des sacs poubelles pour mon bureau et pour quoi faire d'ailleurs les autres. Pour m'enterrer. D'accord. Donc les sacs poubelles sont pas bien chers non plus. Hein. 69 centimes et 89 centimes. Et j'ai trouvé ça pour décorer le swap. C'est un petit rouleau avec des petits cœurs, des petits autocollants en forme de cœur et tout ça. Et ça, c'était 69 centimes aussi. Et monsieur s'est pris du thé. Pourquoi t'as pris du thé ? Mais il y a plein de thé à la menthe, là. Ouais, c'est pas du thé à la menthe, ça. Ouais. Depuis quand tu bois du Earl Grey, toi ? Voilà, j'ai pris une boîte de thé Earl Grey en sachet de pyramide. Vous avez 20 sachets à l'intérieur. Et c'était à 99 centimes. Voilà ! Et les deux, trois, il y a deux, trois autres choses que je peux pas vous montrer. Ah, si, je voulais vous montrer, on a acheté chez Cora des renforts, des cafés bien sûr, mais des aromates. Je vais pouvoir manger des pâtes avec des aromates. Voilà. Ben, du coup, moi, je vais fermer le vlog ici pour aujourd'hui. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain pour la dernière. Donc là, je vous prends, il est 13h20. Je viens de finir de manger, donc mon ventre va faire des bruits chelous, mais vous êtes habitués, ça vous inquiète plus. Donc, je vais dézoomer un peu, mais là vous voyez le panier de linge qui traîne encore. On va rezoomer un peu, voilà. Je vais juste clôturer le vlog en fait, puisque normalement ce matin je devais recevoir un appel important, enfin un appel quoi, qui ne s'est pas fait, qui se fera lundi du coup. Et DJ devait venir maintenant normalement, mais elle ne vient pas à cause de la neige, parce qu'elle a une peur panique sur la neige, donc, ce que je comprends tout à fait, parce que je suis pareil. Et voilà, là j'ai commandé un produit pour le swap et un produit pour moi, pour mettre de côté un backup pour moi, que je vais chercher normalement en click and collect, en click and collect, oh putain, cet après-midi. Et il me manque un dernier produit, j'ai fait tout l'emballage hier soir, j'ai passé ma soirée à faire ça. Je me suis éclatée et voilà. J'adore emballer les swaps. Sinon, j'ai Enzo qui m'a demandé de vous dire qu'il va reprendre les lives sur sa chaîne YouTube. Il a 18 abonnés. Hein. Donc c'est des lives gamers pour ceux que ça peut intéresser.
Il faisait Fortnite, Apex, Overwatch, ce genre de trucs-là, sur téléphone aussi. Il m'a dit qu'il allait faire des lives sur téléphone. Bref, je vous passe le message, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà. C'est Ryukaza, je crois. Voilà, comme ça vous avez l'info. Si jamais les lives de gaming vous intéressent, ben, vous aurez qu'à aller voir. Et c'est à vous de voir si vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Si vous voulez juste aller vous abonner pour le soutenir et le faire plaisir. Bref, donc moi, bah, je suis en pyjama. Je suis quand même surgelée, mais je suis quand même en pyjama. Du coup, j'ai rien foutu. J'ai même pas fait mes soins. J'ai absolument rien foutu. J'ai été me recoucher ce matin à 9h. Quand j'ai su que mon appel se ferait pas, du coup, à 10h30. Donc, j'ai été me recoucher ce matin et je me suis levée à midi. J'ai redormi 3h, donc faut pas se demander le manque de sommeil. Après, le vendredi, je me le permets toujours puisque le lendemain, je ne vais pas me relever à 6h. Donc, si je vais me coucher un peu plus tard, c'est pas grave. Donc, voilà, ça m'a quand même fait du bien, mais j'ai du mal à me réveiller. J'étais plus réveillée ce matin à 6h qu'à midi, là. Et voilà, j'ai mangé mon petit hamburger d'hier puisque chérie, hier, a fait des hamburgers. C'est à moi de faire à manger ce soir et je sais de nouveau pas quoi faire. J'en ai marre de faire à manger. Même quand je fais un jour sur deux, je sais pas quoi faire. Ça devient pénible, on tourne en rond quand on doit faire à manger comme ça. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Je pense que le blog est quand même assez long, assez fourni. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Parce que vous m'avez donné vraiment... j'ai vraiment pris goût à les faire hein, maintenant. C'est un truc de fou. Donc j'avais toujours dit jamais de vlog maintenant... Là, je sais que les deux jours du week-end, par exemple, je vais m'ennuyer parce que vous ne serez pas avec moi. Donc, je serai contente d'être lundi pour reprendre le vlog. Voilà. Donc, programme de la de vidéo de la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, donc je préfère vous le redire. Comme ça, en plus, vous n'oubliez pas. Donc, on se retrouve avec la vidéo une couleur 5 make-up lundi. Mercredi, ça sera... Une des deux, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire. Donc mercredi, vendredi, je vous ai prévu, mais je ne sais pas dans quel ordre, le challenge des mots imposés. Donc ça, je vous avais demandé des mots que vous m'avez imposés. Un full face révolution, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'adore faire des full face de marque. Et puis samedi, normalement, live, si tout va bien. Les lives, je ne sais jamais sûr, hein, ça peut aller au feeling. Mais normalement, il y a le live samedi et dimanche, donc le weekly vlog de la semaine prochaine. Voilà. Et donc n'oubliez pas de faire tout ce qui s'affiche sur l'écran, hein, vous abonner, mettre des petits pouces en l'air, me dire en commentaire ce que vous voulez, voilà, me dire quelque chose, quoi, simplement, me mettre un petit commentaire. Et donc du coup on se retrouve demain en vidéo de toute façon, donc dans les commentaires de la vidéo. Et en attendant, bah, moi je vous dis bisous.